Allez, Victor Fuchs, il lève la tête. Quentin Lucas, il a vu au deuxième poteau Michel Sanchez. Peut-être un bon ballon pour Michel Sanchez à reprise. Et le but magnifique de Michel Sanchez, le capitaine de cette équipe qui libère les siens. Il ne fallait pas lui laisser le site. Il a profité de l'erreur du défenseur l'homme de Saint-Alban. C'est bien de profiter des erreurs adverses de temps en temps. On ne va pas s'en plaindre. Non, mais c'est quand même mérité par rapport aux occasions qu'on a eues, me semble-t-il. Mais surtout, j'apprécie énormément ce geste. Très bel équilibre sur cette reprise de volée. Puis cette intuition, cette spontanéité, cette décision de reprendre le volet au lieu d'attendre, d'essayer d'amortir, voilà, prendre le risque. Et ça, c'est du Michel Sanchez. C'est le 8e but de la saison de Michel Sanchez, le capitaine de cette formation de CFA 2, qui reprend les commandes du classement des buteurs de cette équipe de CFA. Devant Evan Chevalier, 7 buts. Emiliano Sala, 3 donc de Michel Sanchez. Est-ce que vous pensez qu'il va tenter sa chance ou qu'il va jouer Pour moi, à ce niveau-là, à ce stade-là, à cette distance-là, il faut tenter sa chance. Absolument, il faut tirer. Il faut tirer au but, le gardien un peu dévié. Par contre, il faut être présent. Allez, Michel Sanchez. On n'est pas assez nombreux, on n'est que 3. Non, finalement, c'est Quentin Lucas qui s'efface. Michel Sanchez, le coup franc bien qui tiré, rase. Très, très bien tiré. Le poteau droit. Très bien tiré, s'il était dedans, il est très bien tiré. De Damien Hervé. C'est pas mal. Il était bien enroulé. Ah oui. Il était peut-être un peu trop excentré côté bon coup franc pour les Bordelais. Oui. Et c'est une nouvelle fois Michel Sanchez qui va s'en charger. Savic une nouvelle fois est monté. Salah et Lissal sont dans la surface. Barbé aussi au deuxième poteau. 4 joueurs bordelais. C'était bien frappé là. Plongeant, premier poteau. Il y avait Lissal. Jeu, il faut écarter, il faut poser le pied sur ce ballon. Allez, Sanchez là à la baguette. Emiliano Salah, nouvelle remise, bien joué. Et un bon ballon pour Evan Chevalier. Il n'est pas signalé en position de hors-jeu. Evan Chevalier, oui, le cadeau offert à Michel Sanchez et ça fait 2-0 pour les Bordelais. Magnifique cette action à 3. Ouais, Sanchez, Salah, Chevalier. J'ai eu peur que Sanchez soit hors jeu. C'était limite. Ouais, mais c'est très joué, très bien joué. C'est un doublé pour le capitaine Michel Sanchez. Rien, surtout la préparation. Mais très, très belle action collective là. Bon, il est présent et il est présent. Ouais. Et c'est un grand ouf de soulagement parce que c'est vrai qu'on se, sentait au ralenti. Et nous sommes maintenant avec le double buteur de cette rencontre, le capitaine des Girondins, Michel Sanchez di Granado. Michel, ça fait plaisir d'inscrire un doublé ? Oui, ça fait plaisir. Là, ça faisait 2-3 matchs où j'avais pas marqué. Donc, c'est sûr, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est bien pour moi et puis c'est bien pour l'équipe. Donc c'est parfait, quoi. Cette superbe reprise de volée là en milieu de première période, c'est un geste que vous travaillez souvent à l'entraînement. En tout cas, elle a été parfaitement équilibrée et parfaitement réalisée cette reprise. Ouais, à l'entraînement, on travaille souvent les centres et reprises. Donc c'est sûr qu'en match, quand ça arrive, on est plus apte à la mettre au fond. Donc ça a réussi, donc c'est tant mieux, quoi. Vous aviez passé toute la semaine à l'entraînement avec le groupe professionnel. Est-ce que ça a pu aussi influencer sur votre prestation d'aujourd'hui, très convaincante, donc on l'a dit, avec 2 buts, vos 8 et 9e but cette saison en championnat? Passer avec les pros cette semaine, c'est vrai que c'est important. Mais après, je ne sais pas si ça m'a transformé ou pas. Mais en tout cas, j'étais motivé comme d'habitude. Et donc, pas grand chose d'autre à dire à part que je suis content et qu'on ait gagné 3-0 et c'est bien. Allez.